C'est beau de vous voir avec autant de passion et d'intérêt à discuter ensemble. On continue dans cette même énergie-là pour la suite. Alors, on va passer à un autre bloc de quatre présentations. On va débuter avec Béatrice Pudelco et Wikipédia, une ressource éducative libre sous-utilisée en enseignement supérieur au Canada. Alors, Béatrice, je vous laisse la place. Et les animations avec les clics? Non. Juste les flèches, ça devrait fonctionner. OK, on va voir. Oui. On est là où encore besoin. Ouais, c'est pas grave. Donc, Béatrice Pudelco, Université TELUC. J'ai l'impression que ma communication aujourd'hui est un petit peu différente de toutes les autres. Pourtant, j'aurais pu présenter aussi sur une ressource libre que je pratique depuis maintenant 2013, donc ça fait 10 ans. Que j'ai conçu, puis j'anime, je supervise, et puis j'écris de façon intense dans Wikitédia, qui est une encyclopédie de stratégies pédagogiques et de formations libres sur le web, avec 8 millions de visites à ce jour, ou peut-être plus. Mais je ne vais pas parler de Wikitédia, qui est mon enfant chéri, mais de Wikipédia, qui est finalement l'inspiration de ce projet-là, de fabrique de mon Wikitédia à moi et à mes étudiants, à nos étudiants de la télé. Donc, Wikipédia est vraiment une inspiration puisque c'est finalement la première ressource libre qui existait probablement. En tout cas, elle date des débuts de l'Internet. Est-ce qu'on peut parler d'une ressource éducative qui est sous-utilisée? Ça paraît un petit peu paradoxal vu que tout le monde connaît. Ah, voilà. Ah oui, OK. Ça marche. Oui, j'espère. Oui, c'est ça. Donc, Wikipédia a maintenant 20 ans, en 2021, en fait, c'était 20 ans, en 2020 pratiquement, c'était 20 ans de Wikipédia. Donc, on sait, tout le monde sait là, que la licence, c'est bien celle de l'utilisation de la plus libre possible. Et c'est effectivement là ce qui se passe avec Wikipédia, on le sait. Au début, personne n'y croyait. En fait, on pensait que ça allait être un échec retentissant, une encyclopédie qui est non supervisée et non révisée par les pairs. Vous avez certainement entendu quand même beaucoup de débats à ce sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? 55 millions d'articles dans 300 langues, 1,7 milliard de visiteurs uniques par mois, 13e site le plus populaire de l'Internet. C'est un petit peu baissé, il était plus populaire que ça. Et le seul parmi les 50 premiers à être géré sur une base entièrement non commerciale. Donc aujourd'hui, on sait que Wikipédia, c'est juste un des projets donc, de la fondation Wikimedia non commerciale. Il y en a de toutes sortes. Il y a même Wikiversité où on peut démarrer des projets pédagogiques de toutes sortes, dans diverses langues d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une ressource éducative libre qui est sous-utilisée en enseignement supérieur? C'est la première ressource qui est consultée par les étudiants, puisque Wikipédia sort dans les 3 premiers résultats lorsqu'on googlise. C'est une ressource qui, et quand on connaît les comportements informationnels de tous les usagers et pas juste des étudiants, on reste à peu près quoi, 1 minute maximum, 3 secondes sur une page. On regarde 3 premiers résultats et on passe à la suivante. Donc, c'est évidemment la façon dont Wikipédia a grossi et la façon dont elle a commencé à présenter l'ensemble de toutes les connaissances humaines est extrêmement liée à la façon dont Google, finalement, a promu les résultats de Wikipédia grâce à son algorithme PageRank, puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic de Wikipédia venait d'abord des plateformes telles que Google. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez qui répond finalement lorsque vous demandez à Google ou à Siri ou à ChatGPT? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une telle chose? D'où viennent les réponses? Les réponses viennent de Wikipédia. Le petit panneau de connaissances qui s'affiche maintenant dans la recherche Google, c'est un panneau de connaissances qui a cherché les connaissances sur Wikipédia et petit à petit, toute référence à Wikipédia a disparu finalement dans ce panneau de connaissances. Donc, on ne sait plus d'où ces connaissances viennent, mais elles viennent bien de là, ce qui est problématique sur plusieurs égards. Donc, il y a eu depuis des années 2005, 2006, 2007, 2008, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont démontré à quel point les étudiants utilisent Wikipédia dans leurs travaux universitaires, même s'ils ne le disent pas.
Donc, en lecture, on peut dire que Wikipédia, finalement, est extrêmement utilisé, mais en écriture, donc lorsqu'il s'agit là de contribuer, et là, je vais faire le lien avec la conférence là, de Moulna et puis Christopher, c'est exactement ça la question. On utilise quelque chose, là, mais est-ce qu'on y contribue? Donc, les travaux académiques sur Wikipédia et sur les usages et les perceptions de Wikipédia ont commencé, c'était à peu près en 2005. Là, la première réaction là, des enseignants, c'était à peu près comme aujourd'hui avec les chats, c'était « just say no ». Quel danger, cette chose-là. Donc, ma question est aujourd'hui, finalement, là, qu'est-ce qui s'est passé entre 2005 et 2021? Ça fait longtemps que je m'intéresse au phénomène Wikipédia. En 2012, j'avais fait une conférence « Le plagiat à l'ère de Wikipédia ». Aujourd'hui, on pourrait recommencer « Le plagiat à l'ère de ChatGPT ». D'ailleurs, beaucoup de personnes le font. Donc, en fait, je vais y aller rapidement. C'est que cet objectif, l'objectif de cette communication-là, c'est vraiment de présenter comment utiliser Wikipédia en enseignement supérieur au Canada. Mais ce que je vais présenter, c'est uniquement les données de la recherche, puisque j'ai fait une... j'ai pratiquement terminé dans les dernières étapes. C'était un projet très ambitieux. Donc, une revue de Portel, en anglais Scoping Review, de la recherche sur les usages et les perceptions de Wikipédia en enseignement supérieur. On a eu plusieurs itérations. J'ai plusieurs assistantes de recherche qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Une Scoping Review, c'est une revue de Portel, c'est une façon de réaliser une revue des écrits qui porte sur des... particulièrement adapté à des domaines où il y a peu de choses, où le sujet est très vaste, où on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Donc, les itérations sont très importantes lors de la recherche, de l'extraction et de l'analyse. Nous avons exploré plusieurs bases de données en anglais et en français. On a utilisé aussi la technique boule de neige, donc la remontée des références à Google Scholar, évidemment, avec plusieurs mots-clés pour s'assurer là, qu'on couvre quand même, qu'on arrive à trouver de façon suffisante, que nos mots-clés peuvent avoir une portée suffisamment large là, pour essayer de trouver le maximum donc, de ressources. Donc, la revue porte sur tout ce qui est produit, tout ce qui était publié en anglais et en français entre 2005 et 2021, mais ici, je vais présenter juste les résultats donc, pour le Canada. Alors, en 2005 et 2021, seulement 20 articles de revues ou d'actes de conférences qui ont été publiés au sujet de Wikipédia, de l'utilisation pédagogique de Wikipédia en enseignement supérieur. Il y a eu quelque chose sur l'enseignement primaire et secondaire, mais pas grand-chose. Parmi ces publications, 17 sont en anglais, 3 en français. On voit une petite remontée là, de nombre finalement de publications par année 2014-2015, peut-être qui est attribuable au projet qui a été lancé par la Fondation Wikimedia en 2013, qui était Wikimedia Éducation, avec des collaborations avec les universités sur différents sujets. Donc, parmi ces articles, 700 articles théoriques. Donc, ça parle de Wikipédia, c'est quoi son modèle, c'est pourquoi on devrait le faire ou ne pas le faire, comment l'utiliser en enseignement supérieur. Les 13 sont vraiment des articles empiriques. Parmi ces articles empiriques, la plupart sont des récits d'expériences d'enseignement. Donc, un petit peu comme vous avez présenté aujourd'hui vos expériences, ce sont des écrits qui présentent, voilà comment j'ai utilisé Wikipédia dans mon cours, dans ma classe, dans mon groupe, etc. D'ailleurs, c'est caractéristique finalement de la recherche en pédagogie universitaire qui est très praxéologique, qui permet dans laquelle finalement les auteurs sont souvent aussi les principaux acteurs de la recherche et présentent ce qu'ils ont fait dans leur classe. Donc, recherche-évaluation, il s'agit finalement de l'évaluation du contenu, de la qualité du contenu de Wikipédia. Une recherche expérimentale, une étude de cas, une recherche du type enquête. Donc, comment se répartissent ces articles empiriques? Les sciences de la santé viennent en premier lieu, médecine, 4, kinésiologie, un article. Ensuite, multisecteur, c'est finalement des articles de recherche qui visaient davantage les perceptions et les usages des étudiants ou des membres de la faculté, des universitaires finalement, sans préciser vraiment le domaine, le secteur ou la discipline.
Puis en sciences humaines, on en a une on a un article en langue, un en histoire, un en études féministes, en sciences pures appliquées, chimie 1, informatique 1, et en sciences de l'éducation 1 seulement, ce qui peut paraître assez paradoxal tout de même. Et puis, 6 de ces articles portent sur la lecture. Donc, sur quoi portent ces articles-là? Ils essayent d'évaluer, d'examiner les perceptions et les attitudes des universitaires, la qualité des articles et la perception des bibliothécaires, quand les bibliothécaires de l'utilisation de Wikipédia par les étudiants, la comparaison de l'utilisation de Wikipédia et d'autres encyclopédies en ligne qui sont cités dans les travaux universitaires. Donc, en médecine, c'est beaucoup de recherches là qui évaluent l'exactitude ou la qualité des ressources, des articles en médecine sur Wikipédia, puisque les étudiants en médecine utilisent énormément Wikipédia et la plébiscite même en tant qu'une des premières ressources la plus compréhensible, en tout cas. C'est vraiment dans le top, c'est aussi ce que la recherche démontre. Et finalement, donc, dans l'écriture, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut contribuer à Wikipédia? On peut contribuer à des articles existants, créer de nouveaux articles. Et là-dessus, les expériences qui sont présentées, les activités qui sont présentées avec Wikipédia, finalement, permettent aux enseignants d'avoir une très grande variété de formats. Donc, on peut travailler individuellement, on peut travailler en groupe, on peut avoir des itérations, etc. Mais la plupart du temps, donc, il s'agira là d'améliorer un article dans le domaine du cours. Donc, encore un lien avec ce qu'avaient dit Mouna et puis Christopher, une ressource éducative libre, ce n'est pas juste la liberté de consommer, mais aussi la liberté de produire. Une question, combien d'entre vous ont déjà contribué à Wikipédia? Ouais, c'est quand même bon! Donc, on sait qu'on a un réseau très actif là, quand même là, des gens qui sont impliqués parmi nos universitaires dans Wikimedia, dans la Fondation Wikimedia Canada, Jean-Michel, entre autres. On sait qu'il y a eu des Wikitons, il y a des initiatives diverses comme Wikifilm Cam. Bon, bref, il se passe des choses, là, c'est clair. Mais dans la recherche et dans la façon finalement de réfléchir sur la façon dont nos étudiants utilisent Wikipédia, dont les enseignants utilisent Wikipédia ou comment on y contribue, finalement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Excellent. Je suis dans les temps. Oui. Yeah. Oui, ben donc au point de rendre les étudiants co-créateurs, hein, d'être dans le processus de création, ça leur fait comprendre aussi toute la question de la qualité des savoirs, l'importance de ça. Toute la question des compétences informationnelles, en fait, c'était la première question. Et puis aujourd'hui, avec les ChatGPT, ben, c'est ça qu'on voit. Oui. On a comme raté 20 ans. On a manqué ces 20 ans-là, on aurait dû... Oui. Faire travailler nos étudiants davantage. Hein? Oui, ben, il n'est pas trop tard, Béatrice. Hein? C'est à partir de maintenant que ça se passe. Alors, on va passer à la prochaine présentation de Sonia Dimassi et Yves Langevin, une ressource éducative libre pour l'apprentissage d'Excel dans le secteur de l'administration. Alors, on vous cède la place. Je suis très impressionné d'être devant une salle là, qui participe à Wikipédia à raison de 50 %. Vraiment, je suis très impressionné. Génial. Alors, bonjour. Donc, on va vous présenter aujourd'hui là, notre expérience en termes de création d'une ressource réelle pour l'utilisation d'Excel en administration des affaires. On tient d'abord à remercier nos amis de la Fabrique Réelle et nos amis aussi du Collège de Bois-de-Boulogne qui, sans leur appui et leur participation, ce projet-là pourrait pas être possible. Ce matin, on a entendu là, plusieurs conférences où on voyait que ben, s'il n'y avait pas un support qui venait d'institutions comme la Fabrique Réelle, ou le collège, ces projets ne pourraient pas là, être réalisés parce qu'on n'aurait juste pas le temps là, de le faire. Alors aujourd'hui, ben, on va vous présenter notre ressource réelle sur l'utilisation d'Excel en administration des affaires. Donc deux mots importants ici, Excel, administration des affaires, donc une utilisation là, concrète en gestion au quotidien.
On va avoir là toute une liste de trucs qu'on va vous présenter. On va, dans le fond, vous présenter le projet que nous avons réalisé avec les différentes étapes. Et j'imagine que ce qui va le plus vous intéresser, c'est les défis rencontrés là, qu'on va voir, là, quelles embûches on a pu vivre pour la réalisation de ce projet. Je vous présente Sonia. Sonia est docteur en génie électrique, maîtrise en informatique, baccalauréat en sciences appliquées. Elle enseigne depuis 1998, autant à l'université qu'au cégep, et elle est enseignante au Collège de Bois-de-Boulogne. Bonjour, je présente à mon tour Yves qui a obtenu une maîtrise en génie industriel, un baccalauréat en administration des affaires. Il a une bonne expérience en gestion d'entreprise aussi et il enseigne depuis 1990 en enseignement supérieur. Actuellement, il enseigne au Collège de Bois-de-Boulogne. Il a une expertise notable en enseignement, en administration et en bureautique. Donc, parmi les problèmes rencontrés, notre manuel apporte une solution. Par exemple, on remarque qu'il n'y a pas de ressources éducatives libres disponibles en français en administration des affaires pour l'utilisation d'Excel en enseignement. Aussi, les ressources qui sont disponibles sont simples, sont aussi éloignées de la vie, c'est-à-dire de l'utilisation quotidienne d'Excel au niveau des entreprises. C'est ça qui, vraiment, il y a un manque, il n'y a pas un lien entre vraiment le vrai problème rencontré à l'entreprise et les exercices qu'on va voir proposés par certains manuels actuellement. Pour créer notre manuel REL, on a effectué des recherches. Par exemple, on a fait une recherche sur le droit portails qui sont proposés par le gouvernement ou pour chercher de ressources manuelles libres telles que l'école ouverte, Curio et les pavillons, mais on ne trouve aucune ressource libre d'Excel. Aussi, sur le site Open Classroom, on trouve des ressources libres et des MOOC aussi, notamment un MOOC réalisé par l'Université de Québec à Trois-Rivières. C'est un MOOC de 6 heures. Ce n'est plus une ressource libre, mais plutôt c'est un MOOC dont la propriété est exclusive à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Le site qui renferme le plus de ressources libres, c'est Planète Éducation. Mais malheureusement, la ressource éducative libre date depuis 1997 et cette ressource, elle n'est plus utilisable. Je peux vous confirmer aussi que Excel a notamment évolué donc maintenant, on utilise la version Microsoft Office 365. Oui, on remarque une évolution. Le site qu'on trouve en français s'appelle Magister. Il renferme des ressources libres et aussi un MOOC de 22 heures. Mais encore une fois, ce n'est pas une ressource libre. Pour démontrer la simplicité des exercices proposés par des manuels actuels, par exemple, vous trouvez à gauche un exercice proposé. Vous pouvez remarquer la simplicité de cet exercice et à droite, vous pouvez voir un exercice que nous avons créé qui se rapproche de la complexité rencontrée dans la gestion des affaires. Donc, avec notre manuel, nous voulons approfondir la complexité de
de l'utilisation d'Excel dans la vie quotidienne des entreprises. Maintenant, je cède la parole à Yves. Merci. Donc, l'objectif pédagogique du projet, ça a été évidemment de créer une ressource libre, comme le dit Sonia, avec Excel, dans un contexte réel. Comme on vient de voir, la majorité des manuels qui sont offerts aux étudiants actuellement, oui, ils montrent Excel, mais un problème qu'on a, c'est quand l'étudiant arrive à l'entreprise, il connaît Excel. Mais il ne sait pas vraiment l'utiliser en contexte d'affaires parce que la complexité est beaucoup plus grande quand on arrive sur le terrain pour faire des vrais calculs et pour l'utiliser pour vrai. Donc, il y a un décalage ici. Donc, nous, la ressource qu'on propose va essayer de, pas éliminer le décalage, mais on va essayer de la réduire le plus possible. Donc, c'est ce qu'on veut faire au départ pour développer là, des compétences en Excel. Évidemment, on va offrir une ressource en français et aussi, on pense que si la ressource est offerte en français, si elle est libre et si elle est calquée sur la réalité de la gestion des affaires en entreprise, ça devrait motiver, je vous le jure, un peu plus les étudiants. OK? J'imagine que vous le vivez, vous aussi. C'est un problème là, qu'on a actuellement au niveau de la motivation des étudiants. On ne parle pas de cette étudiante là, qui est hyper motivée ici dans la classe, mais les étudiants ont besoin là, d'être motivés. Si on dit, regarde ce que tu es en train de faire, là, tu vas faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ça dans l'entreprise. On ne va pas te présenter un exemple comme l'entreprise Soleil avec trois cellules à compléter. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne là, dans la réalité. Donc, on veut, par notre source, aller chercher un approfondissement. Évidemment, comme on a vu, on a fait des recherches et j'avoue que j'ai été un peu paniqué là, quand j'ai vu quand j'ai entendu la présentation de notre collègue de Nantes ce matin en disant que il y a beaucoup de ressources libres qui sont cachées. OK? Et on les voit, on ne peut pas les trouver. Mais je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il y a une ressource libre sur Excel qu'on ne connaît pas et qui existe déjà? On ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. En tout cas, la nôtre, on va la connaître, c'est ce qu'on veut, c'est l'objectif. Donc, pas de ressource libre vraiment en français sur Excel. Une ressource en anglais qui existe et heureusement, c'est une ressource de bonne qualité. À partir de ce moment-là, on a donc été confronté à une question. La question, c'est est-ce qu'on va créer une ressource à partir de zéro? Donc, on va créer un manuel pour la formation sur Excel ou est-ce qu'on va prendre la ressource qui existe déjà en anglais pour en faire une traduction ou une adaptation? Et on a fait face à ce dilemme-là. Et comme on est, disons-le, des gens relativement paresseux, on s'est dit, on va partir de quelque chose qui existe déjà en supposant que, on est paresseux, mais un peu innocent, en supposant que ça serait plus facile. C'est ce qu'on s'est dit au départ. On dit, ça devrait être plus facile si on part de quelque chose qui existe déjà. Les défis qu'on a rencontrés, évidemment, on a vu que c'était peut-être plus facile, on ne le saura pas parce qu'on n'a pas pris l'autre voie, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas facile, même si c'est plus facile. Donc, première chose, premier défi rencontré, c'est la version d'Excel. Évidemment, même si la ressource en anglais qui existe est récente, elle n'est pas assez récente pour avoir pour utiliser la dernière version du logiciel. Donc, évidemment, il y avait un décalage entre le manuel qu'on a voulu adapter et la version finale qu'on obtient, qui est calquée sur Office 365. Ensuite, ça ne peut pas être une traduction. Pourquoi? Parce que les mots en anglais puis en français dans le logiciel, c'est pas pareil. T'sais, c'est pas tout comme moyenne et average. Parfois, il y a un défi qui est un peu plus grand. Ensuite, évidemment, on n'est pas des professionnels en édition. La mise en page d'un manuel est quand même un défi. Et j'imagine qu'il y a quelques personnes ici qui ont déjà écrit des manuels où la majorité en ont lu une grosse quantité, vous avez certainement vu certaines erreurs dans des manuels. Et ça, comme on disait tantôt, même s'ils sont revisés là, par des éditeurs, et on a trouvé des erreurs là, dans le manuel. Puis évidemment, on se pose toujours la question, est-ce qu'on ne comprend pas ou est-ce que c'est une erreur? Donc, corriger quelques erreurs qui étaient dans le manuel. Évidemment, comme la version était différente, on est obligé de recréer l'ensemble des images que vous voyez dans le manuel, créer des nouveaux exercices pour qu'ils soient, comme on l'a dit tantôt, plus complexes. Et on est là aujourd'hui dans la phase 2
parce qu'on a terminé la phase 1, on entame maintenant la phase 2 de la complétion de ce manuel, créer une plateforme pour accueillir ce manuel, pour que ça soit diffusé. Mais le plus grand défi, c'est lequel? C'est le dernier. C'est quelques lettres, mais c'est le plus grand défi, c'est le défi du temps. Parce qu'on a tous des jobs à faire, on enseigne, donc on rencontre des étudiants à chaque semaine, et le temps, c'est un défi majeur. On a mis les statistiques de ce qu'on a fait à gauche par l'adaptation de la version française qu'on a fait par rapport à l'objectif que nous avons dans la phase 2. Donc, on voit ici, on a fait grosso modo là la moitié de l'adaptation du manuel. Et c'est impressionnant, hein, quand on voit le nombre de mots, on dit, mon Dieu, c'est 42 148 mots. On en a fait de l'ouvrage. Alors, vous voyez ça, un exemple de ce que ça donne pour un chapitre. Donc, évidemment, le chapitre commence avec les objectifs du chapitre, avec la description et le contenu. On voit les images ici qui ont été intégrées. Il y a aussi des blocs de raccourcis clavier pour que la personne puisse travailler plus rapidement, plus efficacement avec l'ordinateur, finalement. Les chapitres ont toujours des rappels techniques et à la fin, chaque chapitre finit par les points là, à retenir, donc une révision, dans le fond, du chapitre qui a été vu par la personne. Les prochaines étapes, donc on a terminé la phase 1, on embarque dans la phase 2. Les prochaines étapes, c'est évidemment l'adaptation des chapitres 4, 5 et 6 dans notre manuel. Ensuite, de créer des exercices plus élaborés, continuant avec le ancré, et de faire des capsules vidéo qui vont s'intégrer là, au manuel, parce que c'est bien beau avoir un livre qui explique là, tout comment ça marche, mais dans le monde où on veut former des gens pour utiliser un logiciel, le montrer aussi concrètement, c'est des avantages là, qui sont notables. Et évidemment, dernier point, là, rendre le manuel disponible pour que la communauté là, entière puisse pouvoir y avoir accès. On vous remercie d'avoir là, assisté à cette conférence. Merci, très intéressant. Puis je suis certaine que c'est une réelle qui va toucher beaucoup de gens. C'est ça qui est très, très... C'est le fun pour les REL. Alors, on va passer à la prochaine présentation de Nadia Aubin-Port de l'Université Laval. Je vais quand même nommer tes collègues aussi qui ont participé. Donc, il y a Ariane Barrette, Université Laval, Alicia Pajot, toutes de l'Université Laval, Jeanne Pichet-Labrie et Roxane Turgeon. Donc, c'est la co-création d'un livre interactif en tant que ressource éducative libre en écophysiologie évolutive dans le cadre d'une démarche de pédagogie inclusive. J'aime les titres longs. Quand j'ai soumis ma thèse, ma première version de thèse de doctorat, mon directeur de doctorat m'a dit, c'est le fun, ton titre, c'est ton résumé de thèse. Je ne dis pas comme ça. Donc oui, c'est ça, je vais vous parler un peu plus de mes co-auteurs pendant la présentation. Ce que je veux faire, c'est vous expliquer pourquoi on a créé notre REL, en quoi elle consiste, et ensuite vous parler de l'équipe de création avec les étudiantes, parce que pour moi, ça a été un aspect qui a vraiment contribué au succès du projet. Je vais vous parler du contexte de pédagogie inclusive et d'accessibilité qu'on a gardé en tête tout le temps du projet, puis aussi de l'idée de diversifier la représentation des scientifiques dont on a déjà entendu parler dans un grand bol d'air, qu'on a essayé d'inclure aussi dans notre présentation. Puis finir avec les succès et les défis, parce que je pense que c'est important de partager ça là, comme les autres collègues ont fait. Donc, pourquoi, premièrement, on a créé cette REL-là? Moi, je suis professeure en biologie. Je donne plusieurs cours, dont le cours d'écophysiologie évolutive. C'est un cours de troisième année intégrateur. Les étudiants doivent utiliser les notions des autres années dans ce cours-là. C'est un cours de bac, mais ils sont à leur dernière session. Ils vont devenir des biologistes. Ils peuvent travailler dans quelques mois. Donc, c'est le genre de cours où, si je le mettais sur une échelle là, prof-centré, étudiant-centré, j'ai mis la petite boule plus vers étudiant-centré parce qu'il y a beaucoup de moments où c'est eux qui s'enseignent les uns les autres, qui viennent au tableau donner des idées, puis ensuite, on fait les définitions ensemble, etc. Puis aussi, un travail à faire tout le long de la session, leur propre projet de recherche en équipe, ils inventent une question, tout le monde travaille sur le même organisme vivant, puis ils présentent leurs résultats à la fin de la session. Donc, c'est un cours interactif pas mal. Je dirais où il y a beaucoup de situations authentiques, on se base beaucoup là-dessus, sur le fait que justement, ils vont être des chercheurs eux-mêmes, ils vont travailler en biologie bientôt. Puis, qui a été créé dans un contexte de pédagogie inclusive.
Donc, inclusivité, par là, je veux dire, moi, mon idée, c'est de donner l'opportunité égale d'apprendre à tout le monde et aussi l'opportunité de montrer qu'ils ont ou qu'elles ont appris quelque chose. Donc, ça veut dire que ça ajuste toutes les étapes, les objectifs, les activités avant le cours, pendant le cours, le type d'évaluation, puis les types d'évaluation. Mais vous voyez, là, je suis en train de donner mon cours, puis vous voyez que j'écris au tableau. C'est ce que je ne vous ferai pas seul aujourd'hui, de tout faire ma présentation au tableau. Mais ça, c'est un angle mort de l'inclusivité du cours, c'est qu'il n'y a pas de notes de cours. Donc, les notes, c'est les étudiants, je ne donne pas de PowerPoint. Ça, c'est comme le gros choc de leur vie quand je leur apprends ça. Et je donne tout le cours à la craie. Donc, les étudiants qui ont plus de difficultés à suivre, ça affecte certaines personnes plus que d'autres. J'ai donné 50 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça change. C'était un gros... Moi, je voulais les aider à aller dans la vraie vie où il n'y a pas de PowerPoint, mais il y a certaines personnes pour qui c'est détrimentaire plus que d'autres. En plus, il n'y a aucun manuel sur le sujet que je peux leur présenter. C'est de la matière, l'écho-physiologie évolutive, c'est la physiologie, c'est comment nos poumons fonctionnent, nos reins, tout ça. Puis l'éco-physiologie évolutive, c'est vraiment de mettre ça dans un contexte d'évolution des adaptations des espèces. Il n'y a pas vraiment de livre là-dessus, ni en anglais, ni en français, ni payant, ni ouvert. Donc, c'était ça notre objectif, c'est d'avoir un manuel dans ce l'éco-physiologie évolutive en français, puis que ça soit une ressource éducative libre basée sur la pédagogie inclusive et l'accessibilité. Puis on voulait un manuel interactif. Donc, pourquoi j'ai fait ce projet-là sous forme de REL? Je pense que ça répond un peu à une des questions dont on a discuté depuis ce matin. C'est que moi, dans ma pratique de scientifique, je collabore beaucoup dans des projets où on ouvre les connaissances, on les démocratise. Comme par exemple, je suis affiliée à BioArchive. Donc, je suis une des personnes qui révise les manuscrits qui sont soumis au serveur avant qu'ils soient publiés pour attraper les histoires d'extraterrestres puis la COVID. C'est des profs qui lisent les articles puis qui décident si oui, on peut les... C'est vraiment un article sans suite, on ne juge pas la qualité, juste que c'en est un. Dans ma pratique avec mes étudiants gradués dans mon laboratoire de recherche, on met nos données disponibles gratuitement, comme par exemple sur Dryad. Puis, depuis l'invention, le début de Peer Community N, dans le cas-ci Evolution Biology, j'ai participé à la formation, j'ai été sur le comité d'édition, tout ça. Donc, où c'est des professeurs qui révisent les articles des autres, puis on leur donne une recommandation, puis après ça, ils sont des articles qui sont des preprints, puis on va, ensuite, ils deviennent comme des articles. On a un journal qui est gratuit pour tout le monde, il n'y a personne qui paye. Donc, il n'y a pas de compagnie qui gère ça. Et aussi, ben, si on pense à c'est quoi les OER, c'est d'apprendre sans que ça coûte rien, ça améliore l'équité. Puis, on peut même parler d'un cas de justice sociale. Donc, c'est pour ça, moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une REL, puis c'est peut-être une façon d'intéresser des gens aux REL, c'est d'aller dans les communautés où les gens font déjà d'autres choses qui sont ouvertes, comme les données ouvertes. Donc, ça, c'est ma REL, c'est notre livre. Vous voyez, c'est une table des matières, c'est un livre qui ressemble en ligne, mais qui ressemble à un gros manuel de physiologie qu'on pourrait avoir, puis il est disponible sur Pressbooks. Donc, si on va sur le site du livre, on a le choix à gauche d'aller directement en version web ou à droite de le télécharger en différents formats qui peuvent être intéressants pour les étudiants. Puis, il est en CC by NCSA, donc réutilisation... pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Donc, la chose que je pense pour moi être intéressante dans le projet, c'est que ça a été fait avec une équipe de création d'étudiantes au cycle supérieur en sciences de la vie. L'avantage, c'était évidemment d'avoir le point de vue des étudiantes dans ce cas-ci. 3 des 4 avaient pris mon cours lorsqu'elles étaient au bac. Par hasard, j'ai ouvert le poste à n'importe qui, puis il y en a 3 des 4 qui ont appliqué. Et elles étaient dans la même équipe quand elles étaient dans le cours. Mais ce n'était pas parlé pour prendre l'emploi. Donc, ça, c'était intéressant. Il y avait beaucoup d'apports d'idées différentes. C'est des personnes qui ont des façons de voir les choses qui sont différentes, beaucoup de créativité. C'était vraiment un échange à 5. Là. Puis, elles ont des connaissances, des expertises qu'elles ont apportées, comme par exemple l'infographie, pédagogie. Jeanne a un certificat d'enseignement au collégial. Donc, elle a fait plus de cours de pédagogie que moi. Donc, il y avait beaucoup des bases de données. Roxane, c'est elle qui a géré toute la base de données. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour un manuel. Puis, évidemment, c'est du travail d'équipe comme on fait dans mon labo, par exemple, en recherche. Le défi, pour moi, c'était de lâcher prise puis de réaliser que si elles avaient décidé qu'elles faisaient la figure comme ça, ou même des fois, elles inventaient les questions des quiz, bien, c'était ça.
c'est pas moi qui vais tout refaire après. C'est comme ça qu'on le fait. Puis le rapport, c'est ça qu'il va avoir dans le livre. Fait que moi, mon rôle, c'était vraiment d'avoir trouvé l'argent, coordonner le projet, tout penser à la structure du livre, les objectifs. J'ai rédigé tout le texte parce que les deux premières unités, tout le texte vient de moi. Mais là, pour la troisième unité, je me suis améliorée puis j'ai pris des règles existantes puis je suis en train de les traduire. Ça va m'aider, je pense. Puis, j'ai fait tous les cas appliqués, je vais vous les montrer. Les entrevues vidéo puis les capsules. Ça, c'est tout moi qui ai fait le scénario, filmé, montage. Puis, pendant ce temps-là, leur rôle, elle, c'est vraiment création, trouver du contenu, le remixer ou le créer quand il n'y en a pas. Elle révisait le contenu du point de vue étudiant. Donc, pourquoi tu n'as pas mis une définition ici? Là, tu vas trouver en profondeur. Ça devrait aller dans l'autre chapitre pour qu'on comprenne bien. Donc, de me faire refaire la structure puis la profondeur de la matière. Puis aussi, révision du travail des autres. Après, mettons, 5-6 chapitres, on avait des réunions que tout le monde révisait le travail des figures des autres. Puis, après ça, on avait la deuxième version où on avait tous les aspects, les figures, les activités H5P. Puis, on avait une révision par l'éditrice qui devait être la version finale numéro 3, là, dans Pressbooks, mais je dis final parce qu'une fois qu'on le met dans Pressbooks, on trouve au moins 50 fautes de frappe et des choses comme ça. Là. Mais de le voir dans un nouveau média, ça, absolument, ça nous aide. Puis, évidemment, réviser la gestionnaire de ressources, elle a vérifié que toutes les licences étaient bonnes. Puis, l'éditrice, qui était Jeanne aussi, a corrigé toutes mes millions de fautes. Et aussi, on a vérifié l'accessibilité. Que tous les documents étaient accessibles, par exemple, avec un lecteur d'écran. Et tout ça, ben, c'était de septembre à décembre. On avait 4 mois pour faire ça. Donc, au total, ce qu'on a fait, c'est l'unité 1 et 2, c'est 14 chapitres. D'autres ici, on avait compté le nombre de mots, 54 000 mots, 234 références, 137 figures, 22 activités interactives nouvelles qui n'existaient pas, puis 16 nouvelles capsules vidéo. Évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. On avait la fabrique réelle qui était là pour le soutien, tous les ateliers où on apprenait à faire des choses, les documents qu'on pouvait utiliser pour mieux comprendre les licences, l'argent pour payer les 4 étudiantes, l'accès à Pressbooks aussi à travers le TS, le travail du binôme qui était de l'Université Laval, qui est Anne-Marie Picheneau puis Martine Lepire, avec qui je travaille depuis que je suis prof, là, depuis qu'elles aussi sont là. On travaille ensemble, donc ça tombait bien, c'était un des gens avec qui j'avais déjà collaboré, qui nous ont beaucoup aidés dans l'idéation là, au mois de septembre, beaucoup, quand on a décidé qu'on le faisait à 5 puis que les idées des étudiantes allaient déterminer qu'est-ce qu'il y avait dans le livre. Donc, elles nous ont beaucoup aidés pour cette phase-là aussi. Et on avait des réviseurs de contenu qui sont deux profs, une de l'Université Laval, Sandra Binning, puis Christian Landry de l'Université Laval. Donc, qu'est-ce que je veux dire par pédagogie inclusive et accessibilité? Il y avait un désir de vraiment structurer l'information, les objectifs, pour que ça soit tout le temps pareil, pour que ça soit prévisible, parce que ça peut aider à savoir où on s'en va, où on s'en va dans le cours, dans chaque chapitre. On avait aussi combiné des modes d'info et des gens qui... Quand ils voient en vidéo puis en texte, ça les aide, un les aide plus que l'autre. Ils peuvent choisir. Soutenir la motivation avec des situations authentiques qu'on voit à la fin de chaque chapitre. Soutenir l'accessibilité, ça c'est vraiment compatibilité avec un lecteur d'écran. Un texte alternatif pour toutes les figures, sous-titrer toutes les capsules, faire des transcriptions de toutes les capsules vidéo. Puis, intégrer de l'interactivité partout dans la ressource, je vais vous montrer là, comme par exemple avec H5P. Et finalement, la diversification de la représentation des biologistes est importante pour nous de le faire. On l'a fait avec des personnes vidéo, des vidéos de personnes qui sont sous-représentées dans le domaine, là, qui aident, selon les recherches, à la motivation de certains étudiants. Donc, structure organisée, évidemment, il a fallu décider de quoi le livre allait avoir l'air. Ça, c'est l'ordre qu'on avait. Donc, à toutes les unités, il y a un texte qui présente de quoi on va parler. Je le réexplique en vidéo. Ensuite, après ça, on a toujours l'introduction au sujet. Les objectifs spécifiques sont toujours en même place, les notions clés aussi. Et à la fin de chaque chapitre, il y a toujours un résumé, toujours des activités de révision interactives, puis la bibliographie pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin ou voir l'original en anglais, des choses comme ça. Quand on a du texte, on a souvent des images. On essaie d'avoir différents modes de représentation. On va aller chercher des articles, des graphiques, de vrais articles scientifiques, là, parce qu'on veut qu'ils voient la littérature. Les vraies données ne sont pas aussi belles que ce qu'on leur présente là, quand c'est des graphiques qu'on a fait. Là, ici, on a une belle réelle qu'on a améliorée, on a mis en français, puis je la réexplique dans une vidéo en dessous, pour ceux et celles qui aimeraient ça vraiment mieux se faire expliquer ce type de choses-là. Puis, bon, il y a des tableaux, mais on n'en met pas beaucoup parce que les tableaux, c'est super dur à rendre lisible par un lecteur d'écran, parce qu'on en a 3 dans tout le livre. C'est mieux de ne pas en mettre, en fait.
Puis, à travers le texte, parfois, on arrête la matière, puis on a un petit quiz pour dire, t'as-tu vraiment compris? Je te donne un exemple théorique. Là, puis là, maintenant, je te donne un exemple réel. Est-ce que tu es capable d'associer le concept? Et ça finit toujours le chapitre avec des cas appliqués. Puis là, j'utilise les journaux scientifiques qui sont en CC BY pour aller chercher une figure d'un article. Puis, je peux l'expliquer en détail aux étudiants à leur niveau de bac. Là, qu'ils comprennent. Ça, c'est la vraie, ça, c'est les vraies données de ce que je viens de vous montrer. C'est de ça que ça a l'air dans un journal. Et on finit toujours l'unité avec la vie d'une biologiste, là, d'une chercheur, professeur-chercheur dans le domaine. Ça, c'est des genres de figures que les étudiantes ont faites. Là. C'est pour ça que c'est pas moi qui faisais les graphiques, parce qu'elles ont vraiment beaucoup plus de talent que moi. Puis, vous voyez que, par exemple, pour la figure du bas, elles ont aussi créé le texte alternatif, un graphique de nuages. Fait que là, si c'est un lecteur d'écran qui lit, ça décrit le graphique. Mais les textes alternatifs sont tellement bons que j'aimerais ça que tout le monde y ait accès. Je pense qu'il faut que je trouve une façon de dire aux étudiants, allez voir les textes alternatifs si vous ne comprenez pas le graphique, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Là, mes petites capsules où j'explique des choses. Mais là, on a fini du sous-titrage, on a fait de la transcription aussi, si quelqu'un aime mieux le faire lire par un lecteur d'écran. Puis, j'ai aucune idée de mon temps. Deux, OK. Bon, là, on a fait aussi beaucoup d'interactivité, de la rétroaction avec H5P. Ça veut dire que c'est tout le temps le même format qu'on utilise. Puis, ils ont une réponse. Ils voient si la réponse est la bonne. Moi, je n'ai pas accès aux réponses des étudiants. Ils peuvent leur faire 5 fois s'ils veulent le petit quiz. Là. Puis, c'est une règle en soi H5P parce qu'on peut la réutiliser, la remixer. Puis, elle est accessible parce que le lecteur d'écran fonctionne avec H5P. Donc, par exemple, on a ici un vrai ou faux, puis vous voyez en bas qu'il a réutilisé. Fait que quelqu'un pourrait directement le prendre puis le mettre dans son cours au cégep directement. Et j'ai fait une visite virtuelle dans le laboratoire pour que ça soit plus clair. Ça fait quoi un éco-physiologiste, là, dans un vrai labo à UBC pendant ma sabbatique. Donc, vu que j'ai plus de temps, ça, c'est les gens que j'ai interviewés qui nous parlent de leur parcours, puis de leurs intérêts, puis de leurs recherches. On a 3 professeurs, une pour chacune des unités. Puis des étudiants au doctorat en bas qui nous présentent leur projet, puis ça va avec des chapitres du livre. Et tout ça, c'est sur YouTube. Donc, puis je les ai mis en CC BY, fait que chaque vidéo peut être réutilisée, transformée. Et je vais finir avec les succès et les défis. Le succès, c'est vraiment le soutien financier de la Fabrique Réelle. Ça a tout changé parce que ça a changé l'équipe. Ça a créé une équipe. La co-création avec les étudiantes et personne qui étaient dans l'équipe, ont voulu embarquer dans cette idée-là qu'elles avaient sur leurs épaules aussi d'avoir des idées puis de pas seulement faire ce que je leur disais de faire. Puis aussi, la licence Pressbooks de l'ETS, ben ça a créé la structure du livre puis l'ergonomie qu'on a, donc puis l'interactivité possible, donc c'était essentiel. Puis les défis, ben c'est qu'on avait 4 mois. Moi, j'étais à temps plein là-dessus parce que j'étais en année d'études et de recherche, mais c'était quand même beaucoup de travail en 4 mois. La gestion des ressources et références, c'est extrêmement beaucoup de temps et de travail. Puis, ça prend quelqu'un qui est bon là-dedans pour gérer ça. Puis, il n'y a pas de répertoire unifié au Québec qui fait que je peux mettre ça fièrement puis de l'annoncer. Il est sur Pressbooks, c'est super, mais les autres Québécois ne peuvent pas simplement aller sur un répertoire puis voir ce qu'on a fait. Puis, on est en train de faire l'unité 3. Il me reste 8 chapitres à faire avec une 2e subvention de la Fabrique Réelle. Donc, j'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on va l'entendre souvent, ce commentaire-là. Là. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de répertoire pour diffuser. Sachez qu'on y travaille, plusieurs personnes y travaillent. Là. Je suis certaine qu'un jour, on va y arriver. Alors, on va passer à la dernière présentation de ce bloc-ci. Donc, ça va être avec Cynthia Lisée de l'Université du Québec à Montréal. Écrire un chapitre pour une réelle en gestion des données de recherche, retour d'expérience. Alors, à toi, la place, Cynthia. Merci. Donc, j'étais supposée faire la présentation avec ma collègue Edith, mais elle a vraiment un gros contretemps qui fait qu'elle s'absente du travail et tout. Donc, mais je veux reconnaître que j'ai travaillé avec elle sur ce dossier-là. C'est vraiment un retour d'expérience, là, Edith, donc, avec le chapeau d'autrice. Donc, je vais vous commencer par vous dire le contexte, la ressource éducative libre, les enjeux qu'on a rencontrés, puis après finir un peu plus sur ben c'est quoi le contenu qui est vraiment pas plus à une réelle dans le contexte qu'on a vécu, parce qu'il y a eu des petits rebondissements entre-temps.
Donc, le contexte, donc c'est vraiment un manuel de cours qui est produit. C'est vraiment, donc le titre, c'est « Gestion des données de recherche en contexte canadien, un guide pour la pratique et l'apprentissage ». C'est vraiment une initiative qui vient de bibliothécaires universitaires canadiens anglophones. Quand le projet a circulé là, dans les listes de diffusion, ils étaient ouverts à ce que ce soit... qu'on puisse faire des produits francophones à l'intérieur, mais c'est vraiment une initiative anglophone. La population cible rapidement, c'était les personnes étudiantes à la maîtrise en sciences de l'information et les praticiens qui débutent avec le dossier de la gestion des données de recherche. Donc, c'est dans les dernières années, c'est vraiment un dossier là, qui est intégré dans les portfolios de projets de différents bibliothécaires. Donc, dans le milieu anglophone, il y en a plusieurs qui sont à temps plein sur ce dossier-là. Le manuel est monté sur Facebook. Si jamais on partage le PowerPoint, j'ai le lien vers le... Il y a une gestion de projet là, qui est faite sur Open Science Framework. pour mettre rapidement là aussi, je ne passerai pas au travers le contenu du manuel, là, mais on voit donc ces sections, genre, bon, introduction à la GDR, le contexte canadien, un peu l'historique. Mais nous, notre intervention, le chapitre qu'on a fait, c'est à la fin, là, la section qui concerne les perspectives, bon, on a appelé ça les données ouvertes de recherche. Les titres sont encore à changer, là, on n'est pas encore publié. Donc, nous, on est dernière section et on est le dernier chapitre. Initialement, c'était les fondements idéologiques là, face aux nouvelles exigences concernant la gestion des données de recherche. Ça, c'était à la soumission, mais quand on a vraiment travaillé le chapitre, on s'est dit, dans le fond, c'est la gestion de données s'inscrit dans la science ouverte. Donc, le titre de notre chapitre qui a vraiment été soumis, c'est les fondements idéologiques du mouvement de la science ouverte. Rapidement, là, c'était quoi la ligne de temps pour la gestion du projet? C'est très long, ça se trouve être un ouvrage collectif. C'est vraiment toute l'expertise de la gestion de données de recherche est répartie au Canada. On montre les capacités en ce moment. Donc, ça a commencé novembre 2021 par l'appel de texte. Tout ça pour vous dire qu'avant d'avoir... nous, on a soumis notre version finale, c'est ça, en novembre. Et c'était prévu qu'il y ait une révision par les pairs. Donc, la question a été soulevée parce que moi, je me suis posé la question, pourquoi faire une révision par les pairs sur un manuel de cours? J'ai quand même travaillé il y a très, 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 très longtemps sur un manuel de physique. Puis, j'ai joué les deux rôles, autrice, adaptatrice et aussi conseillère scientifique. C'était via le rôle de conseillère scientifique qu'on assure, dans le fond, une relecture puis une cohésion, plus la chargée de projet éditoriale. Donc, c'est pas une monographie de recherche, c'est un ouvrage collectif, mais ce n'est pas une monographie de recherche. Mais bref, il y a eu une révision par les pairs dans un contexte là, on pourrait vraiment en parler, là, dire... Il y a peu d'expertise comme thèse. Déjà, on rassemble toutes les principales expertises dans la constitution du manuel. Après ça, c'est qui va réviser? Les enjeux. Bon, alors, il y a évidemment la question de la dimension linguistique. Donc, c'est tout à fait louable là, que le fameux manuel, dès le départ, ça a été pensé pour prendre en compte, inclure la réalité franco-canadienne. Donc, il y avait vraiment le souci. Là, c'était très clair, le livre va être bilingue, va être traduit. C'était vraiment entendu. Et ils ont même fait une démarche pour s'assurer que dans l'équipe éditoriale, il y ait vraiment des francophones qui soient impliqués. Mais il y a quand même... C'est ça. On va le voir un petit peu plus, c'est quoi l'enjeu? C'est que, OK, oui, c'est beau, mais tu sais, quand nous, on a fait le tour dans notre petit milieu, dire qui veut écrire des chapitres? Bien, personne n'a le temps, là. C'est comme ça c'est ce qui ressort. Mais là, on se dit, mais il se passe quelque chose. On va voir un manuel canadien, puis est-ce que c'est ce qu'on vit, nous, avec tous nos groupes de travail canadiens, etc.? C'est tout le temps, bien, ça se fait en anglais, puis là, on attend, ça va se faire en français. L'idée que ça soit mené
en temps réel, en même temps, qu'on soit pas tout le temps à la remorque. Donc, c'est un peu l'enjeu. On s'est dit, ben, il faut vraiment faire un effort pour qu'il y ait des chapitres qui soient originaux en français puis qui soient traduits vers l'anglais. Fait que, bref, il y a eu deux chapitres francophones qui ont été soumis. Puis ça, c'est dans un contexte que ben, les bibliothécaires, comment dire, les réflexions qu'on fait du côté des bibliothécaires francophones, on ne vit pas le même contexte de travail que dans le milieu anglophone. Très souvent, ils ont quand même un statut universitaire. Ils peuvent avoir des sabbatiques pour contribuer à des projets. Souvent, comme ben, dans le cas de la GDR, dans le milieu francophone, il y en a plusieurs, c'est le dossier à temps plein. Donc, moi, c'est un portfolio, un dossier parmi plein d'autres. Donc, on n'est pas du tout dans la même réalité de travail. Je pense que ça va pour cet enjeu-là. Donc, pour compléter, c'est de dire, OK, oui, on a été deux à embarquer là-dedans, mais c'est de dire, hey, il faut dégager du temps, ce qui n'est pas nécessairement évident. Moi, j'ai embarqué en sachant très bien que je vais le faire sur mes heures personnelles. Donc, ça a été du temps, des heures supplémentaires. Puis ben, c'est ça, on est un peu en situation de manque d'effectifs. Là. On n'est pas à temps plein sur des dossiers de GDR. On développe des expertises, oui, là, mais c'est ça, on gère plein d'autres urgences qui peuvent arriver dans d'autres dossiers. Puis un autre enjeu, ben, c'est on est quand même pris dans une communication à deux vitesses. La volonté, comme je dis, on est vraiment content que la communauté anglophone veuille vraiment avancer comme avec nous, mais ça reste que les directives aux auteurs sont en anglais, puis c'est après qu'on traduit. Parce qu'au début, j'étais un peu dans l'équipe éditoriale, j'avais vraiment pas le temps de rester, là. Mais c'était ça, on traduit après. C'est pensé en anglais et non pas comme pensé initialement avec. L'idéal, ça aurait été que ce soit un projet pensé par de façon bicéphale, là. Ça aurait été l'idéal. Puis on va voir la communication de vitesse, là, comment on a pu justement la vivre. Sinon, ben, il y a un autre enjeu de quand même avec la propriété intellectuelle, dans le sens que nous, c'est un contexte, moi je trouve ça merveilleux que la Fabrique Crèze qu'il y a, parce qu'il y a vraiment un soutien, une équipe qui permet de laisser les créateurs de contenu se concentrer vraiment là, sur la création du contenu. Là, ici, ben, on est un peu en contexte un peu de d'auto publication, j'oserais dire, dans le sens où on le fait bien, comme ça a été souligné, c'est l'universitaire, c'est vraiment les professionnels, l'expertise canadienne qui a contribué. De ça, c'est vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement de l'expérience en édition savante ou sont pris, moi je fais du soutien aux revues savantes dans mes propres dossiers, puis je vois comment on aide les revues à se professionnaliser, à acquérir certaines bonnes pratiques. Donc, même si on a des bibliothécaires qui sont peut-être directrices d'une revue scientifique, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment conscients dans toute la poutine là, de certains détails de ce que c'est que de gérer un projet éditorial d'une grande ampleur, vous l'avez vu, là, ça a dépassé un an. Donc, déjà, moi, je vois que je n'ai jamais vu passer en part d'entente de publication. Alors, ce n'est pas si pire parce que c'est publié, ça va être publié en CC BY, mais rien n'empêche que, de façon globale, je vois juste que c'est normal d'avoir une entente de publication où formellement, on va indiquer. Dans le sens que je ne sais toujours pas est-ce que je cède mes droits d'auteur ou pas. Donc, je dis, c'est un CC BY, l'enjeu n'est pas très grand, mais il faut absolument le clarifier. Et puis, ben, on voit que avec Pressbook, c'est comme on est pris avec la limite technologique. Là. J'ai regardé un petit peu les premiers résultats. On ne voit même pas la mention de copyright. On indique, oui, la licence, puis même, bon, on voit que par défaut, pour faire court, ils ont mis comme auteur générique, c'est de Canadienne, la communauté canadienne RDR, non, GDR, GL, mais tu sais, c'est pas eux l'auteur, tu sais, c'est comme un peu la communauté qui a gravité autour du projet. Donc, chaque chapitre a ses propres auteurs clairement mentionnés, mais on voit que dans les métadonnées du livre, là, on commence à avoir des entorses, donc c'est pas parfaitement propre, là. Puis, sinon, ben, dans les directives aux auteurs, on nous disait ben, les images qu'on fait ou des vidéos sont CC BY, mais si on récupère une image d'ailleurs, on peut aller chercher les autorisations, etc. Mais on n'avait pas d'encadrement à ce niveau-là.
Donc, tu sais, moi, je me dis, tous les défis, là, quand je me dis, un enseignant, c'est important qu'il soit accompagné là, sur ces questions-là. Là, moi, dans mon cas, ça allait, je suis habituée dans mon quotidien à les gérer, mais je voyais bien que l'équipe éditoriale n'a pas à faire cet encadrement-là à l'ensemble des auteurs. Donc, pas, je vais juste dire que c'est un enjeu là, dans le sens qu'on embarque avec enthousiasme dans un projet de réel, mais qu'il n'y a pas nécessairement un encadrement de la gestion de la propriété intellectuelle. Puis pour le contenu de la REL, ce que j'aimerais dire, OK, évidemment, on a une structure, on a vu, là, tu sais, avec les REL, on voit qu'il y a vraiment justement la démarche pédagogique là, qui est plus présent, contrairement à une monographie de recherche, je dirais. Là. Donc ça, je ne vais pas m'attarder. Quoi qu'il y avait... Non, c'est ça. Puis je voulais juste préciser pour le public cible, tu sais, on savait vraiment le message comme quoi c'est pour les étudiants en sciences d'information, pour les spécialistes de la GDR et autres qui cherchent à se familiariser avec les GDR dans un contexte canadien ou approfondir leurs connaissances sur des sujets plus spécialisés de la GDR. Donc là, t'sais, sur le coup, nous, on a travaillé en voyant que c'est assez ouvert. Mais avec ce que je vais vous présenter à la diapo suivante, là, je vois qu'il y a des éléments de flou en visant à la fois les étudiants et les professionnels et de permettre de viser des contenus spécialisés. Je dis, ben, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré à quel point, comme je vous dis, l'expertise se bâtit, puis elle peut être très, très variée d'un milieu à l'autre. Alors, voici un peu ce qui s'est passé. C'est que nous, après tout, on avait terminé. Et là, en mars, donc il n'y a pas si longtemps, l'équipe éditoriale communique avec nous en nous disant, ben, finalement, votre chapitre est trop complexe par rapport au chapitre anglophone. Donc, parce que nous, on avait fait la révision, on avait vécu le processus francophone. Puis nous, du côté francophone, ça fait partie des conversations normales. Puis, évidemment, les éditrices francophones, ben, on comprend qu'ils n'avaient pas le temps d'aller lire tous les chapitres francophones finement. Fait que, bref, on s'est trouvé avec une communication à deux vitesses. Il s'est passé quelque chose dans le milieu anglophone que le milieu francophone, on se dit « Oups! » bon, ce qui fait qu'il a fallu un peu décider qu'est-ce qu'on fait. Finalement, on a décidé qu'on faisait comme un chapitre plus simple. On a vraiment refait vraiment des contenus, puis on a changé les titres. Nous, on n'était pas à l'aise d'appeler ça une analyse. C'était pas du tout une analyse cherchant à faire sortir les fondements idéologiques. Là. Donc, on a dit c'est la gestion de données de recherche et le mouvement de la science ouverte. Puis dans le fond, on essaie de clarifier c'est quoi la position de la GDR, puis c'est quoi les enjeux. Essayer d'être modeste, mais on trouvait ça quand même dommage. On va essayer de pousser tout ce qui était plus analyse dans un article. Puis ben, ça vient soulever la question, OK, ben c'est quoi dans une. Il y avait des zones de flou, mais en même temps, là, je vois qu'il faut aussi des ressources éducatives libres. Il y a une tendance. C'est facile de se dire, OK, oui, on peut dire, je vais faire quelque chose, je le mets sur le web, c'est une ressource éducative libre, mais il y a aussi une réflexion, de dire, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est aussi un changement des pratiques. T'sais. On peut rester avec nos valeurs traditionnelles, puis faire un produit traditionnel, puis le mettre libre sur le web. Puis je pense que c'était, en termes de pratiques de communication savante, je crois qu'on avait affaire finalement avec un projet qui était très traditionnel. C'est comme ça que je comprends comment on a pu vivre cette espèce de décalage. Puis là, je suis allée voir ce qu'on dit traditionnellement comment on porte traditionnellement le cycle de l'information savante. Si on comprend bien, on a notre idée, on va commencer à échanger informellement, finalement, on va faire des présentations dans les conférences, on finit par publier des articles, là, ça devient sérieux, tout le monde valide, là. Puis on réussit à les repérer, on fait des portées de la revue. Puis on va tout consolider ça dans des livres, des monographies de recherche. Puis finalement, là, quand on est dans les savoirs super bien établis, on finit par faire des encyclopédies et des manuels de cours. Je sentais vraiment que c'était là-dessus parce que ce qu'on nous a demandé, c'est écrivez vraiment, là, dans le fond, faites juste comme trouver des articles,
vous les résumez, tu sais, quelques liens avec des articles. Donc, c'est vraiment c'est de fournir des contenus très procéduraux, tu sais, factuels, descriptifs, qu'on n'était absolument pas dans ce type de littérature, on va dire. Là. Nous, on s'est dit, on est à la maîtrise, c'est normal de faire d'avoir un niveau d'analyse. Puis, bien, cette approche-là de concevoir de façon traditionnelle, c'est pas vrai qu'on fait la science comme ça aujourd'hui, je crois, là, mais de reprendre cette vision-là qu'un manuel de cours devrait contenir que des contenus très, très, très consolidés surtout dans un secteur, la GDR, comme je vous dis, c'est si on attend que ça soit publié dans des articles, là, bien, c'est dans 20 ans qu'on va fournir le genre d'analyse qu'on faisait. Donc, c'est ça, bref, comment intégrer dans ce contexte-là quelque chose qui demande une pensée complexe. Puis je pense qu'avec la science ouverte, on peut vraiment repenser c'est quoi les objets de connaissance, la diversité des savoirs. Donc, on n'était pas dans cette optique-là, malheureusement. Bon, voilà. C'est très intéressant de vous entendre autant sur toute la beauté des rêves puis les défis que ça occasionne aussi. Hein. On a vu les défis francophones, anglophones chez nous, pas simples toujours. Alors, ben, j'inviterai les quatre dernières. Je t'ai fait faire un peu d'exercice, Cynthia. Donc, on va prendre 5 minutes pour si vous avez des questions pour les quatre derniers présentateurs, présentatrices. Autant en ligne que sur place. Alors, oui, Yves. Oui. Madame Aubin, pour ressources H5P qui sont hébergées dans Facebook, parce que sinon, si c'est un lien externe qui est brisé, on ne parle plus dessus. Oui. Donc, vous pouvez héberger à l'intérieur de votre Facebook. Les choses sont directement intégrées à Pressbooks, puis on peut les télécharger directement de Pressbooks. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tout ça soit dans un répertoire qui dit oui. Dans mon labo, on a fait ça. Mais ça n'existe pas à l'Université Laval. Oui, le portail REL. Oui, c'est ça. Donc, question, Boris? Question aussi à Mme Aubin. Vous avez mis des licences différentes aux capsules vidéo et au manuel. Je me demandais qu'est-ce qui a motivé. Parce qu'il y a juste un choix dans YouTube. C'est CC BY ou pas Creative Commons. Oui, Pascal. Une question pour Cynthia. Peux-tu un peu développer? Donc, avec l'entente que tu as eu assez de liberté, en fait, pour que ce chapitre, l'information ne soit pas perdue et que tu puisses le retransformer en quelque chose d'autre. Oui, c'est là. En fait, je l'ai annoncé, mais ils ne m'ont pas dit non. Comme je n'ai pas eu d'entente de publication, ils n'auraient pas pu me dire de toute façon que je n'ai pas le droit de décider. Oui, c'était vraiment l'objectif. Mais ça aurait pu arriver, par exemple, qu'avec une certaine entente, ils auraient même bloqué une rediffusion sous une autre forme. Ben, tu sais, si j'avais déjà signé une entente de publication comme quoi que je cède mes droits, ben, à partir de ce moment-là, j'ai plus aucun droit de regard sur les conditions de diffusion du contenu, tu sais, je garde juste mes droits moraux. Mais là, c'est ça. Le fait que c'est flou, ben, c'est ça. Ils nous avaient proposé une façon de réaliser les contenus, mais on n'était vraiment pas à l'aise avec l'approche. On voyait vraiment que l'équipe éditoriale n'était pas assez à l'aise, je pense, avec des analyses sociologiques. Malheureusement, ça a donné comme ça. C'est une équipe éditoriale qui a plus un background en sciences qui ne sont pas habitués, je pense, à la pensée complexe. Là. Fait que c'est un peu ça que le contexte. Là, puis nous, c'était plus simple de dire on va faire un chapitre qu'on aurait pu faire dans Wikipédia, finalement. C'était vraiment l'idée. Ils ont même utilisé les termes comme sourcés, comme on trouve dans Wikipédia. Là. Fait que c'était plus simple de faire ça que de repenser le chapitre puis de tout en négocier le niveau. Là, surtout, on ne connaissait pas. Là, on s'est juste dit, s'ils disent que c'est trop complexe par rapport au reste, ben allons-y. Oui. Je n'avais pas l'expression libre que tu avais utilisée pendant que tu as ça ne se répète pas, Claire. Est-ce que là, vous commenciez, ça aurait été assez beaucoup, effectivement, ça aurait été plus simple de commencer à partir de là.
En fait, quand on a commencé, ChatGPT n'existait pas encore. En tout cas, on n'était pas conscient que ça existait. Ce n'était pas public. Pour ma part, je ne suis pas pour cela. Pour ma part, je pense qu'on ferait une adaptation encore. Ça me semble être plus simple. Il faudrait vivre l'autre expérience. Dans 2 ans, on fera une proposition pour créer un nouveau livre, puis on aura cette expérience-là pour voir lesquels sont vraiment plus difficiles. Mais pour ma part, je pense que je ferai, encore une fois, une adaptation. Je ne peux pas tirer la question, mais effectivement, c'est quand même fondamental pour les règles parce que oui. On veut récupérer ce possible. Tout l'enjeu, on en parlait avec Colin hier, la fiction automatique nous permet de sauver du temps. Donc, on va changer un peu là-dedans. Oui, ça risque d'évoluer. Tu as raison, Claude. On est en mouvance actuellement. Hein. J'ai l'impression que dans 5 ans, on va parler d'une autre façon de créer nos réels, puis on vous promet qu'au prochain colloque, on va avoir une réel créée à partir de ChatGPT à la base, sûrement que ça va arriver. Alors, d'autres questions avant qu'on passe au Marie? Peut-être une question pour Béatrice. Là, de l'étude de portée, est-ce que tu envisageais d'autres stratégies pour identifier l'utilisation pédagogique de l'utilisation dans l'enseignement supérieur? Tu sais, je pense, entre autres, à du côté des tableaux de bord de Wikiédu, par exemple, et puis les projets pédagogiques qui, jusqu'à récemment, là, avant que les tableaux de bord prennent trop, domine l'utilisation des pédagogues Wikipédia, était un lieu qui recensait les cours donnés à l'aide de Wikipédia ou les cours qui servaient de Wikipédia. Oui, bien sûr. Hein. C'est un petit peu 2 objectifs différents. C'est ce qui se fait et comment se fait la recherche sur cette discipline. Hein? Donc, la réunion de Barthé, c'était vraiment sur la recherche. Là, finalement, quel est cet objet-là, l'objet de pratique pédagogique avec Wikipédia, comment c'est traité, comment c'est diffusé, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et l'autre objet, ben, c'est ça, qu'est-ce qui se fait dans le vrai monde, là, un petit peu dans ces cycles, là, que vous avez aussi bien décrit, ça a bien changé. Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà regardé, Wikimedia Education et tout ça. Il y a pas mal de projets qui ont été lancés, c'est ça, dans ce type d'initiative, là, principalement dans les Canada anglophones, quand même. Ouais, ouais. Oui. Parfait. Alors, ben, merci beaucoup à chacun de vous.